Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très très bien. Épisode numéro 11 de notre Let's Play sur Pokémon Xenoverse. La dernière fois, eh bien, on avait visité cette grotte, le Gravity Tunnel, et au sous-sol, il y avait la Team Dimension. Ah oui, évidemment, je viens de tourner du Voltoroid de Redux, donc du coup, forcément, les touches sont pas les mêmes. Hein. Donc je fais de la merde. Merci à tous. Et du coup, là-bas, on continue notre aventure pépère. Et on y va quoi. Ah là, c'est ici qu'est la Team Dimension hein, de mémoire, attendez. Ouais, ok. Vas-y. Bon. C'est vrai que j'ai oublié la musique de cet endroit qui était très sympathique. Totem Dresseur, Spoilers. Bon, et je vais me faire foutre du coup pour. Du coup, j'allais où? Parce que là, bon. C'est dangereux, la Team Dimension ne peut pas que quelqu'un se blesse. Bzz. Ah, tu en es tout pas en train de chercher, mener une recherche illégale. La ferraille, nous sommes découverts. On va te fermer la gueule avec un combat. 2 contre 1, tu es fini. Ne bouge pas! Vu qu'elle est que je t'ai vu entrer alors je t'ai couru après, je vois que tu as des problèmes ici, besoin d'aide. Contre ces deux-là, battons-nous alors. J'aurais pu leur casser le cul tout seul, je pense. Mais merci. Merci pour l'aide, hein, bien sûr. C'est vraiment critique et tac? C'est moi qui. Niveau 25, c'est bien de la merde par contre. Hein. C'est marrant, ça. On y a les deux mêmes Pokémon des deux côtés. Bon, par contre, faire un effort sur. Non, mais pique, t'es sérieux? Faut faire un effort! Hein. Évidemment, c'est moi qui vise. Hein. Ok, donc Kuchu a paralysé littéralement tout le monde, d'accord. Eh bah, ben, ça fait plaisir. Hein. Est-ce vrai qu'on va pas accélérer ici, hein, putain. Ça manque, ça manque. Et je fais enfin étincelle, c'est bon? Malos. Le morsure qui va sûrement beaucoup critique, bah oui, bah. Oui, beaucoup critique, hein. Et puis pourquoi pas aussi flinch derrière, après tout, hein. C'était Malos que je t'ai censé viser, merci. Voilà. 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 Non, mais c'est bien, c'est bien. Merci, hein. Un baston, ouais, c'est bien. Bonosaurato devrait mourir d'étincelle, je pense. J'ose espérer quand même. Oh, superbe, il n'est pas mort. Bah, c'est superbe, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, le connard. Mais Thor qui touche les deux. Ah oui, c'est normal ça. Megavolt qui monte niveau 31. Bon, Megavolt qui a toujours pas d'attaque intéressante. Hein. Ça, malheureusement. Malheureusement, ça bouge pas, hein, comme on dit. Ouais, oh, arrête de jouer ta victime, toi. C'est Pikachu qui fait le taf, hein, du coup. Erreur. Console-moi, s'il te plaît, Alice. D'accord, vous pouvez passer, mais s'il vous plaît, épargnez-nous. Tu me souviens, s'il te plaît. Lucalex, c'est agréable de passer du temps avec toi, même dans des circonstances comme celle-ci. Tu vas soigner ou pas? Ah. Bah, passe tout le temps que tu veux avec moi. Hein. Du coup. Comment avez-vous réussi à échapper à notre vigilance? Ouais, c'est bien, ouais. Ah, mais c'est forcément des combats duo, ok.
Étincelle sur le... Sur du coup, c'est Nosferatu qui est sectionné, là hein. Ok, ok. Bah, du coup, c'est celui qui est en lumière qui est pas sectionné, d'accord. Il meurt Fantomius, en vrai. Pas du tout, pas du tout, hein. C'est... En vrai, il va évoluer niveau 32, hein, mon oiseau, c'est sûr. Hein. Regardez, à la fin du combat, il évolue. Je vous jure. Hein. C'est sûr. C'est sûr et certain. Vous n'êtes pas prêts pour ça. Erreur. Mais du coup, eux là-bas, là, ils sont toujours en... Bzz, on peut les affronter. C'est pas clair. Hein. Ah, on peut pas revenir en arrière, d'accord. Et elle, du coup, faut payer là ? Ah, mais c'est ça. Ouais. Une CT là-bas, mais il faut surf, visiblement. Pépite. Hein. Elle est sympa cette musique, hein, vraiment. Aide-moi s'il veut me voler, Vincent. Tout à l'intérieur de cette grotte est nos propriétés. Bzz. Mais du coup, il a pas évolué, hein, l'oiseau, c'est vrai. Non, mais vous inquiétez pas, il évolue niveau 34. 33, je pense pas. Et 34, c'est possible. Attends, mais c'est le même Pokémon. Hein. Du coup, vu qu'il est monté de niveau, on est d'accord que le Sferalto, il sera one-shot, là. Genre. Elle est paralysée, c'est bien. Golet fait châtiment sur moi. Bon, vas-y, on va étinceler le Fantomius. Ça va one shot. Ouais, Fantomius c'est one shot, mais pas de Sferalto. Mais Sferalto, ça montre vraiment que Sferalto a vraiment un meilleur bulk. Hein. Au 31 pour Sharpedo. C'est vrai que Sharpedo c'est un peu une victime là, ce soir. Et arrière. Mais c'est bon, hein, je t'ai aidé, connard. Ouais, donc il y a bien une évolution sûrement, parce que oui, j'ai juste remarqué, mais il y a Aspico, Coconfort et Dardanian, mais là il n'y a rien, donc il y a sûrement une évolution à l'oiseau. C'est plaisir. Hein. Franchement, en vrai j'ai hâte de l'avoir parce que ça promet d'être bien, je pense. Je suis pas déçu, sûr. On va mettre Sharpedo, tiens. Un petit peu. Pareil, Kung Fur, je pense qu'il a aussi une évolution. Attendez, je vais juste vérifier un truc. Pokédex. Ah non. Ah non, c'est... Ah non, il a pas d'évolution lui. Très déçu, très choqué. Du coup, c'est vraiment la forme finale là ? Les enfants font ici. C'est vraiment la forme finale du coup, le. Ok. Dommage. Mais ça m'étonne en vrai. Ça m'étonne en vrai d'ouf. Alors, le Pokémon de droite, je sais pas du tout ce que c'est. Il est bien type 6, ça se voit. Oh oui. Il était de type 6, ça se voyait. Vas-y, fais étincelle, toi. Tu veux, ouais. Par contre... Ah non, c'est pas Fantomius cette fois, pardon. C'était pas Fantomius. Il est vrai. Erreur. Ok, il évolue pas niveau 33 du coup. Bon, ça, je m'en doute un petit peu. Un truc serait écrasé.
Le sbire Dimension qui envoie deux de ce rapti, c'est nul. Vas-y, fais pas le con et fais étincelle s'il te plaît, le Shocksburg. Voilà. Parce que je vois, il aurait fait pipi que j'aurais eu un petit peu le démonx quand même. Il la prend direct toxique. C'est qui? Ah bah oui, clairement, oui. Oui. Oh oui. D'ailleurs, lui, c'est pareil. Lui, il est voulu quand, lui? C'est la question, ça. Quand est-ce qu'il évolue, mon pote, là? Franche. Mais arrête d'apprendre des attaques physiques, putain. Et d'ailleurs, si je regarde un nouveau Pokédex. Oui. Et shout. Et du coup, l'autre, il a une évolution ou pas? Oh, difficile à dire, il y a plein de points d'interrogation à côté. Ok. Okay. Protéines, oh, pas mal ça. On nettoie les lieux, hein. Ça fait l'XP gratuite, on en profite. Hein. Mais apparemment, ça a l'air d'être en bas que les choses se produisent. Donc, acier poison et acier, ok. Bah, on va griffon bleu, lui là. Il est pas tué. Mais arrête de faire pic-pic, putain, mais quel con du cul! Allez, coup de jus. Bon, après, ok. Donc, on va griffombre le tic. Ah merde, j'ai griffombre le mauvais. Pas soit. Échappe, mais niveau 33. Rayon chargé. Il vise pas le charpédon en plus, il est complètement con, votre pote, hein. Merci à tous. Voilà. Erreur. Ah mais ok, on a donc fait le tour, d'accord, c'est bien. Donc les hostilités ont l'air de se produire ici, hein. Là-bas il y a la CT, c'est ça. Je peux pas récupérer parce que j'ai pas surf. Attendez. Jamais. Non, je peux pas. J'ai bien fait d'être intéressé fossiles, mais ils sont la propriété de la team dimension maintenant. Non, non, une tête de crevette ne peut pas tomber entre les mains des criminels. S'il te plaît, aide-moi. Je cherche la bagarre. Ou la gare. Hein. Laura, bisous. Bon, ça va. Je sais plus de quel type il est, le pupillon là. Vas-y, griffon bleutique. Voilà, c'est un one shot, hein. C'est un one shot, hein. On peut le dire. Il fait cage éclair, bon. Okay. Si tu veux, hein. Si tu veux t'amuser, vas-y, hein. Rafale psy. Griffon, je vais griffon bleu, lui là. Étincelle, sur qui? Ok, il fait crochet venin sur lui. Il spam mon charpedo lui, hein, visiblement. Visiblement, il a quelque chose contre lui, hein. Il a quelque chose contre mon charpedo, hein, visiblement, votre pote. Bien sûr, mais vas-y, c'est bien, putain. Vas-y, je vais aqua jet le Galekid là parce que. Il va encore faire pipi, hein. Ouais. Il est con, qu'est-ce qu'il est con. On peut dire qu'il en tient une sacrée couche, hein, votre pote, hein.
F1 Switch L. Ouais, bah bravo. Bravo, hein. Heureusement que les combats sont pas durs, hein, parce que si c'était comme dans Unbound, faut dire qu'on aurait passé un sale quart d'heure, hein. Erreur. Le combat est tien, mais la guerre est loin d'être terminée, et ce n'est rien comparé au grand dessin de notre général. Merci beaucoup, tu m'as sauvé la vie. Ces voyons m'ont forcé à trouver ces fossiles dans la grotte. Au début, j'étais soumis. Et quand j'ai trouvé ces deux trésors de l'ancien temps, mon esprit scientifique a pris le dessus. Je n'ai vu une telle chose et je ne pourrai jamais laisser ces méchants les prendre. Je vous laisse l'honneur d'en choisir un pour vous remercier et je suis sûr que c'est un secret entre vos mains. Oui, celui que tu veux. Le fossile d'un Pokémon du espace, il semble que ce soit de l'an pour solidifier. Le... espace ou terre, du coup. Espace, c'est plus stylé, quoi. Le problème, c'est que je sais pas trop, hein. Je connais pas. Je peux l'avoir, je ne saurais pas quoi en faire. Eh bien, je vais donc prendre celui-ci pour un examen plus approfondi dans un laboratoire. Vu que Lex, c'était sympa de t'accompagner dans une telle aventure, mais je dois vraiment y aller maintenant. Venez avec moi, monsieur, vous pouvez être assez à la grotte tout seul sans aucun Pokémon. Ciao, Lucalec. Bon. Bah, écoutez, on va visiter... T'es qui, toi? Eh, hey, des dresseurs qui ont pop, là, c'est ça? Tu vas savoir plus ce fossile, rentre au village Dorado. Le problème, c'est qu'ils mettent pas les noms des villes qu'on n'ait pas été, quoi. Ah ouais. Mine de rien, on a fait beaucoup de chemin depuis le début de l'aventure, hein. Ah bah voilà! Bravo! Par contre, le problème, c'est que... Là, c'était là, je peux pas l'avoir. Voilà, par contre, il y avait un objet, là, hein, qui était bloqué par un membre de la Team Dimension, là. Voilà. Ok, cool. Des coulos. Un dopo qui doit avoir... Il doit avoir... Au sèche. Et s'il a pas fait Koopa, je l'aurais bien one-shot. Hein. Scarino qui... Il peut pas me toucher avec son stab combat, mais qui peut me faire ça, oui. Vengeance. Non. Échec. Mais il parle comme le mec de la Team Dimension, lui. Le karaté, c'est comme le Blue Moon, son gérer bien sur l'éternité, ok. Bon, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des dresseurs qui sont revenus ici après avoir battu la Team Dimension. C'est quand même drôle. Le problème de Sharpedo, c'est qu'il a pas d'attaque aussi puissante. Hein. Il a que Aqua Jet. Autant vous dire qu'au niveau 33, ça commence à être limite, parce que voilà, typiquement, je one-shot même pas de Pokémon niveau 26 d'aussi proche. Autant vous dire que... Bon, après, il devait avoir fameté, donc bon. Mais il faudrait que Sharpedo gagne en force. Beckvrill, oh oui. Ah, ça sent l'évolution, là, ça arrive fort l'évolution, je vous le jure. Hein.
Au niveau 34, ça sent l'évolution, c'est sûr. Oh oui! On va voir à quoi il ressemble. Arok. Il l'avait dit, Chips. Il te repasserait plus spé qu'attaque, et c'est vrai. Ah, la vanne. Hein. Bon, après, j'en ai un autre qui est plus attaque spéciale qu'attaque, mais... Genre, mais pourtant il fait plus physique, hein, c'est bizarre. Hein. Alors je m'en fous, je garde lui, mais bon. C'est quand même une vanne, hein. En plus, Chips l'avait call, quoi. Ah putain. Je vais switcher, je vais envoyer. Ok. Voilà. Je suis mort quand même, et il est passé plus. Il est passé. Et pas qu'un peu, parce qu'il avait vraiment une meilleure attaque spéciale, hein. C'est vraiment. Ah oui, du coup, ok, si je monte, du coup, je peux monter là. Ah, mais j'ai pas surf. Ok, donc mon aventure s'arrête là. Donc du coup, faut aller à droite, hein. I suppose. Eh ben. J'ai pas force non plus. Bon, en fait, j'ai que dalle, hein. Je pense qu'on peut le dire. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai le skate, moi. Faudra que je revienne quand j'aurai. Faudra que je vienne ici quand j'aurai force, hein, et surf. Comme un délire, hein, cette histoire, hein, bon. On va quand même le tester, hein. Ils sont ça, est-ce que c'est du soufre? Oh, tu t'y plantes, toi. Allez, en vrai. Je peux sentir que la défaite, ouais. Un dresseur, toi. T'as vu mon pototas? Bah c'est celui qui était dans la grotte, non? Si je lui reparle, il se passe un truc. Bah ouais. Apporter de la nourriture au maître. On va pour un strike. Bon, du coup, là, c'est la ville, hein, qui... C'est la ville, hein. Est-ce que c'est la ville du quatrième badge? C'est pas ça, par contre.
Là, je suis mort qu'il soit redevenu. Mais attends, mais pour l'instant, il est dans les statistiques, il est certes attaque spé, mais pas dans les attaques. Hein. À moins qu'au son Pokémon, je puisse lui apprendre des trucs. Hein. Ce qui est totalement possible. C'est totalement possible, hein, pour le coup. On va bien voir. Lui, c'est pareil, je me demande quand est-ce qu'il évolue. Hein. Je me demande quand est-ce qu'il évolue, lui, hein, parce que pour le coup, là, c'est pas clair. Hein. Trois strikes pour moi. Je plaisantais, je suis pas un gros bisou, mais je vais vraiment devenir. Cette zone ne soit accessible que si vous avez un Pokémon Starter avec vous, ne le déposez jamais dans une boîte du PC. Ok. Ishtar City. Étoile qui danse dans le désert. Il est assez chelou ça. Ah oui, d'accord, ok, mais c'est quoi, c'est une secte ou quoi? Il y a pas son Pokémon, c'est ça? Ah mais calmez-vous, attendez, il y a son Pokémon là, c'est sûr. Non. Hein? Oui, c'est vraiment une ville de secte en fait. OMG! Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais d'accord, on a compris. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Attendez, on va voir ce qui se passe dans les hautes herbes. On peut y avoir des Pokémon intéressants, on sait jamais. Pas vraiment. Pas vraiment en fait. En vrai, s'il tient à l'étincelle, je l'attrape. Ah, grâce-feu, ok. Il a l'air d'être assez physique pour le coup. Il a l'air d'être assez équilibré même, j'ai envie de dire, mais bon. À voir. Il a des bons IV lui, hein. C'est terrible. Hein. Bon, en vrai, le fait qu'ils ont une attaque spéciale, tant pis, hein, ça se trouve. Hein. En vrai, Shiroga m'a dit que pour changer les natures, c'était post-game. Mais... On va dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Oh là là. Mais attendez, mais cette ville, c'est un délire. Hein. Ah mais c'est un délire, on peut pas passer en plus. The fuck? L'oasis d'Ishtar est connue pour ses eaux miraculeuses. Celles-ci sont commercées dans toute la région sous le nom de Fresh. Ok. Ah. Allez madame, debout s'il vous plaît. Monsieur, dites quelque chose au moins. Pourquoi personne ne répond? Allez, rêvez-vous de cette hypnose! Rien à faire, je dois absolument courir chez l'aide.
Qui es-tu? Je ne t'ai jamais vu par ici. Merveilleux, tu n'es pas victime du sortilège. T'en prie, aide-moi, dresseur. Quelque chose a dû se passer pendant que j'étais à l'extérieur de la ville pour le travail. Toute l'oasis d'Eshitar a été hypnotisée par un Pokémon. Comme si cela ne suffisait pas, la championne est bloquée dans sa propre arène à cause de cette situation. S'il te plaît, tu es la seule qui puisse sauver notre ville de ce fléau. Ouais. Ah, c'est tout mon cœur, ne perdons plus de temps, il doit y avoir moyen de rejouer cette tragédie. Et du coup, le centre Pokémon, là, je... Ok, vas-y, je vais utiliser la machine de Porygon, là. Le centre Pokémon, ça a l'air d'être ça, hein. Et c'est bloqué. Et du coup, l'autre, là, il était comme... Je peux même pas consulter le résumé. Mais c'est génial, je perds 1000 là. Est-ce que c'est pas intolérable? Si, ça l'est. Comment ça j'en ai deux? J'ai perdu 1000 dans l'histoire, hein, spoilers. Comment je me suis fait scammed là? Très grave, hein. Lucalex, ces deux soldats gardent le responsable de tous ces foussoirs. J'ai déjà les combats, mais ils sont trop forts. Ce doit être ce Pokémon qui amplifie leur pouvoir. Il a utilisé ses pouvoirs psychiques pour forcer les citoyens à leur remettre tous les livres de l'Oasis. Il faut faire vite, allez! Oh, enfin quelqu'un avec plus de nourriture! Les bêtes de ce monde sont vraiment délicieuses, je pourrais te manger pour toujours avec ton plasma! Eh, vous deux, donnez la nourriture à mes esclaves et courez immédiatement chercher plus un ordre. Mais, vous n'êtes pas utilisé par mon pouvoir! Comment est-ce possible? Pourquoi tu fais ça, Ishtar? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Ne t'intéresse pas à moi sur ce don, sale humain! Vous avez la chance d'avoir un dirigeant bienveillant comme moi. Ce sont vos dernières prières. Je vais répondre à vos questions avant de vous hypnotiser. Pour arriver ici, c'est le sultan qui vous fait face. Ça a dû réaliser un effort considérable. Et maintenant, j'ai très faim. Au départ, j'ai gardé un œil sur la vie dans l'ombre. Et en vous étudiant, j'ai appris votre langue. Vous, les humains stupides, comme d'habitude, vous n'avez rien remarqué. Ectoplasma. J'en ai déjà trop dit. Garde, amenez-les-moi vite. Je dois porter de la nourriture au maître. Lucalex, prépare-toi. Ah merde, moi je voulais arrêter mon épisode, moi. Ok, nice. Je me suis rappelé que c'était efficace sur le type O. Tu meurs, on est d'accord. Hein. Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Ah. Mais ça passe attaque là par à mon cul là. Vraiment, t'es haut. Je colle qu'il est haut électrique, hein.
Megavolt qui apprend toujours rien. Maître. Trop fort pour nous, mon maître. Idiot inutile, je vais m'en charger moi-même. Une recumpe ici pour vous, rabat-joie. C'est un Pokémon, on peut le capturer? Apparemment. Bon, je vais cager clair. Hein. Ah ouais, il fait mal, hein. Oula. OMG. OMG, OMG. Les spectres, j'imagine, encore. On va tester ça. Ah non. Je peux capturer ou pas? Ok. Coup dur. C'est coup dur. Ça vous? Non mais tu vas tenir. Comme un BG. Là je peux le capturer ou pas? Oui. Ah. Eh ben je suis bien déçu. Me voilà fort déçu. Bon, toi t'es quoi? Bon, toi t'es très très nul. Hein. Ouais, spoiler, ça va pas changer. Non, normalement tu vas tenir un coup, j'imagine, vu que l'attaque spéciale est baissée quand même. Ah oui, d'accord. Laisse ses yeux tirants complétés. Absurde, comment est-ce possible? J'ai perdu moi le grand souverain Ectoplasma contre son Aquarien. Ectoplasma, Ectoplasma, Gamma, tu as peut-être gagné la bataille, mais gars, continue. Nous rencontrons bientôt, j'aurai ma revanche. Cette montagne de baie m'accompagne, bien sûr, adieu. Hé, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Joël, c'est toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est entendu? Mes chers camarades, son nom est Lukelek. C'est grâce à son aide que Ishtar est maintenant libre de la plus grosse menace que la ville ait connue. Un mystère Pokémon a usé de ses pouvoirs psychiques pour nous tous nous ensorceler. Vous êtes forcé à lui, ils apportaient toujours plus de nourriture, mais grâce à Lukelek, tout revient à la normale. Oh mon Joël, je vois que nous avons des visiteurs. Je suis Nufar, la reine d'Ishtar, et toi, jeune garçon, qui es-tu? Votre Majesté, vous allez bien, je t'ai si inquiet pour vous. Merci de te faire du souci, Joël. Alors, qui est cette jeune personne? Mon nom est Lukelek, madame. Nous devons d'avoir retrouvé la ville saine et sauve. Lukelek, hein? Cet plasma avait bloqué toutes les sorties de mon arène avec, avec un énorme tas de fruits. Heureusement que tu étais là après à intervenir. Lukelek, maintenant tes Pokémon méritent un peu de repos sans Pokémon. Nous continuons cette discussion plus tard au nord de la porte d'Ishtar. Les soldats, vous pouvez maintenant retourner à vos fonctions ou aider nos citoyens à se remettre du choc. Oui, votre majesté. Merci du fond du cœur pour ton aide, ce n'est pas grand chose, mais s'il te plaît, accepte ceci. Ok. Oh, okay.
Bon, on parle à tout le monde pour l'avoir, parce que ça, on aurait pu la manquer facilement. Hein. Ok, bon, on va aller parler à la reine, mais pas dans cet épisode. Et on va juste aller au centre Pokémon, en fait. Et on visitera la ville la prochaine fois, du coup. Ah, oh, j'en ai encore 17. Ah oui, d'accord. Bon, je vais quand même en reprendre 13 parce que ça, les repousses, on en utilise. Hein. Ok. Bon. Et merci, hein. Merde, pourquoi j'ai fait ça? Je vais rater mon épisode. Couleur dimensionnelle. Oui. Mais ça m'intéresse pas. Mais ça m'intéresse pas. Par pitié. J'irai peut-être la prochaine fois, mais... Comment ça a changé, non? Mais j'en fous, je me casse. Par pitié. Bon, du coup, lui là, si lui il apprend des attaques spéciales, c'est ça maintenant? Non, même pas, il apprend un clair fou. Bizarre qu'il soit plus à attaque spéciale quand même. C'est quand même étrange, hein. Paolo, écoute-toi, nous voulons vraiment que tu fasses nos inventions. Alors, tu nous as essayé de faire part de cette invention super top secret. Donneur virtuel des capacités. Waouh! Ok. Ah oui, non mais... Évidemment, pour l'instant, c'est un peu cher, mais... Oh, la dinguerie, quoi. La dingue. Eh, hey, c'est 90 000, peu importe l'attaque, c'est ça? Genre, provoque, c'est que... Ok. Ouais, ok. Ah, non, c'est complètement fou, en fait. C'est complètement fou. Ok. C'est complètement fou. Ok. Du coup, je voulais voir juste un truc. Je voulais voir lui, là. Mais je peux pas consulter le résumé comme ça, là. Non. Non. Ah, zéro d'attaque, quoique en vrai, du coup, vu que maintenant l'attaque, on sait que c'est la chier sur lui. Après, le reste, c'est un peu nul, hein, cependant.
Ah, le problème, c'est qu'il a vraiment des moins bons EV, hein, comme le dire. Faut quand même le dire, il a quand même des moins bons EV, quoi. Et là, il a vraiment des très très bons EV, quoi. 84. Non, je trouve que je vais garder celui-là, même si, même s'il est moins taxpé, hein. Je vais garder celui-là, hein. Je vais garder celui-là. On va s'arrêter là du coup hein, les gens pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Il a été long, il y a eu beaucoup de choses en vrai aujourd'hui dans cet épisode là. Il s'est passé des choses. Hein. Il s'est passé des choses. Voilà. Donc du coup j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu. Et si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour l'épisode numéro... Du coup... Numéro 13, hein, je crois bien, ouais, de Pokémon Xenoverse. Et du coup, il y aura sûrement... sûrement la quatrième... Excusez-moi pour le boy, maman, c'est pas très correct en vidéo de bailler, bien sûr. Il y aura sûrement la quatrième arène. Je re-sauvegarde même si je ne le ferme. Bon. Il y aura sûrement la quatrième arène en vidéo la semaine prochaine, les gens. Sur ce, ciao, bye. Tout le monde.